Bonjour, bonjour. Bon, cette sélection que j'ai faite pour Paris Photo, comment on choisit les photos? On n'a pas beaucoup à réfléchir, hein, parce qu'il y a une attirance spontanée pour une photo. La photo, elle t'est choisie à toi plutôt que tu l'as choisie à elle. C'est comme une œuvre d'art, comme un tableau, comme n'importe quelle chose qu'on regarde. C'est émotion. Ah, mais voilà, et les doigts, ils partent tout de suite. Et il dit, pouf, celle-là, pouf, celle-là, pouf, celle-là. Ça vient du cœur, ça vient de l'intuition, de la spontané, de qui te parle. Et après, chaque photo, bien sûr, il y a son histoire. Une fois que tu as choisi, une fois que tu, spontanément tu as décidé que c'est celle-là et pas une autre, après, bien sûr, tu commences à dire pourquoi j'étais attiré pour cette photo. Je suis un fan de la photo depuis toujours. Pas que la photo belle, où je me trouve belle ou quoi que ce soit, sinon derrière la caméra aussi, comme photographe, une époque, il y a longtemps, j'ai beaucoup travaillé dans la photo aussi comme photographe. J'avais passion pour la Polaroid noir et blanc. C'est vrai que les noirs et blancs, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu dans la mémoire, reste, il y a une émotion inhérente à la photo, ça touche directement à l'émotion, à les sentiments, à beaucoup de choses, non? Je crois que la cinématographie, c'est ça, beaucoup de la photo. Plutôt parce que finalement, la cinématographie, c'est la mélange de tous les arts. Le metteur en scène peut même se sentir un dieu. D'ailleurs, ils sont tous un petit peu mégalomanes, on va dire. Parce que tu choisis que si les personnages vont mourir, s'ils vont vivre. Et qu'est-ce qui va les arriver? Et celui-là, il vient de où? Il va où? Après, il choisit la musique. Comment pénétrer avec la musique dans ces moments du film, on va mettre ces musiques et comme ça les gens vont être touchés par l'émotion, ils vont avoir peur. C'est une grosse manipulation. Mais ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est que c'est un mensonge, mais pour dire une vérité.